Alors désolé les potos, on a eu un petit bug au niveau du record de l'intro. Bref, le jeu s'appelle I Am Innocent, on y joue avec Joachim. Et tout simplement, le but du jeu c'est de mener une petite enquête, parce que de base on est totalement innocent, c'est de mener une petite enquête sur des gens qui ont été kidnappés et qui sont désormais séquestrés par une personne inconnue qui nous donne le choix de les aider. On n'a pas le droit d'appeler la police et il y a des fins alternatives, il y a plusieurs fins à faire et on a plusieurs choix d'SMS. Vous allez voir un petit peu le let's play et j'espère que ça va vous plaire. Ceci est l'épisode 1. Alors, let's go les potos. Ah, bon, pour lancer le jeu, veuillez autoriser l'accès d'un au fichier. Bref, voilà, on autorise. My name is Bond, James Bond. My name is Bond, James Bond. J'ai la... Ah, ok. Ah, bonjour, vous avez un nouveau message. C'était là, X. Ok. Tu peux appuyer ? Question. Alors, on va lire les messages, tu veux les lire ? On va les couilles. J'ai rêvé de toi aujourd'hui. Putain, c'est vraiment quoi, cette quoi voix. C'est vraiment un cauchemar ? C'est un beau rêve ? On dit quoi ? C'est un beau rêve. Attends, qu'est-ce que... Non mais... un cauchemar. Cool. Vas-y, crève. Non mais... M'envoie pas d'autres messages, m'en branle, t'es nex. Changeons de sujet, oui, ferme ta gueule. Non, vraiment, j'ai vraiment... Oh putain, je sais pas lire, les gars. J'ai vraiment besoin d'en parler. Toi et moi, on était dans... Mais putain, je m'en branle. Est-ce que quelqu'un en a à foutre? Ouais. Je suis sur le lit et tout devant mon ordinateur comme d'habitude. Ouais, je suis un geek, ouais. Pour répondre, Inspector Johnson. Tiens, putain, geek. Je te regarde et j'essaye de dormir. Et c'est Inspector Marcel, moi. Moi, c'est Bébert. Soudain, j'ai la sensation qu'on essaye de m'étrangler. C'est les symptômes de la jouissance. J'essaye de t'appeler, désolé. J'essaye de t'appeler, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas bouger ni crier. J'ai de plus en plus de mal à respirer. Bah, si on l'étrangle, c'est le principe. J'ai de plus en plus de mal à respirer alors qu'il n'y a personne dans la pièce. J'avais cette sensation horrible d'impuissance. Tu sais ce que ça veut dire ? Si tu fais un jeu de main avec un... Hey, calme-toi, c'était juste un cauchemar. C'était bon truc. Ça se trouve, on peut sortir avec notre ex. Hein. Les gars, l'autre qui est kidnappé, on s'en branle et puis on ressort avec notre ex. Hein. J'ai bien cru que ça en était fini pour moi. Et le pire, c'est que je ne pouvais rien faire, c'était terrifiant. Puis je me suis réveillé. Et tout le monde fait des cauchemars, pense à autre chose. Y'a plus de... De mémoire. Y'a plus de mémoire sur la caméra, donc on fera un intro plus tard. Pour changer les idées, je vais te raconter une histoire sur le cœur. Mais je m'en branle, putain! En fait, comment t'enregistres? Y'a 2 mois, j'ai été... Bah là, j'enregistre avec un logiciel que je mettrai en description, mon cher Jackie. Y'a 2 mois, j'ai été embauché comme... Bah j'ai besoin d'être embauché. Photographe pour le mariage d'un jeune couple. Après la cérémonie, il m'a fallu 2 mois pour préparer toutes les photos et... Mais arrête ! Ayant les envoyés à mon client quand j'ai appelé la jeune mariée pour lui dire que ces photos elle devait envoyer, c'est ce qu'elle m'a dit. Désolé, on n'a plus besoin de photos, nous sommes déjà... Ce genre de bâtard, voilà pourquoi je me mariera jamais. Nous sommes déjà séparés, hein. On se marie pas. On répond ça. Et ils t'ont payé au moins ? Ouais. On pense qu'au fric. Business is business, ma couille. Ah ouais. Encore heureux. Est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre? Ouais, on en a rien à foutre, non? Ouais. Au fait, en parlant de mariage... Non. Ma soeur se marie dans un mois. Ah. Bah on y va pas. Elle a fait une bêtise, c'est le type le plus arrogant. Elle a fait une bêtise, c'est le type le plus arrogant, le plus barbant du monde, mais je dois faire cet acte de prudence. Si je vais seul,
Mes tantes vont passer la soirée à me présenter leur fiston. Tu ne voudrais pas venir avec moi ? Attends. Mais donc ses tantes à elle ? Non, attends. Non. Mes tantes vont passer. Sa sœur va se marier, mais ses tantes vont présenter. Ah, mais c'est de l'inceste. Voilà. Ce qui me semblait. Est-ce qu'on les laisse galérer en disant désolé, le mariage c'est pas mon truc ? Ou alors ? Ouais, pourquoi pas ? Petite pause juste pour dire que je pense que c'est juste un problème de traduction sur l'application, merci. Bon, détail. Ah, intéressant. Excuse-moi, je fume moins le temps. Ouais, la vie est dure. Ex-petite amie, ça fait 5 ans que nous sommes séparés, mais on est encore très proches. 5 ans. Je crois qu'elle regrette le jour où le tour compris les choses. Relation, elle a du mal à se remettre. Relation neutre. Machin, elle veut pas me laisser voir ma fille. Alors c'est qui ? Mon vieil ami, suite à la tragédie avec sa femme, il tient que pour une seule chose. Il ne pense plus qu'à sa fille. En fait là, je vais juste faire un gros résumé de notre discussion avec notre ami Karl. Branle gros ! Il nous raconte sa vie, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre gros ? Et Karl, en fait, on a investi pour des bitcoins ou des smartphones à revendre. C'est Dieu qui vous a choisi. Vos mains seront l'instrument de la justice, utilisateur hors ligne. On s'en bat les couilles. Ok, c'est à ce moment-là qu'on lance le générique des inspecteurs. Au secours ! Je ne comprends pas ce qui se passe. Jean, au secours ! Jean ! Attends, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi non plus, je ne comprends rien. Qui êtes-vous ? T'es qui, gamin ? Qui c'est qui t'es, toi ? Hélicoptère. Attends. Hélicoptère, on m'a donné votre numéro. Oh putain. Je m'appelle Erwin Finch. Ah, Erwin Finch ? Non, ça sonne plus anglais, connard. Ouais. Non, accrochez pas. Ça te bouffe. Faut bouling. Je suis là. Ta gueule. Là, je parlais pas à toi. Ta gueule. Tu sais, c'est pas grave d'être anglais. Jakim, est-ce que tu veux que je nique ta mère ? Non. Ouais, voilà. Je ne sais pas, aucune idée. On m'a kidnappé. Mais j'ai dit, je lui ai dit que j'étais là. Alors, je suis là. Il m'a dit que mon sort était entre vos mains. Je ne sais pas où je me trouve, ni comment je suis arrivé là. C'est sombre et il fait chaud. On va faire quelque part. Aucune idée d'où. On peut juste répondre du calme. Je vais appeler la police. Et j'espère que ce n'est pas une farce. Sinon je te bute, gamin. Écoute, je suis inspecteur et je suis un professionnel. Gang. Et la va. Utilisateur en ligne. Ah. Message sécurisé. Ah. Donc les messages sont sauvegardés. N'y pensez même pas. Pas de police. Donc là je pense que c'est le ravisseur. Sinon, vous aurez sa mort et celle de sa fille sur la conscience. Ah, regarde, une image. Nani. Il y a une image. Ça, c'est stylé, hein. Ouais, c'est bien fait. C'est une photo ou c'est un dessin? C'est une photo, je pense. Faites que ce que je vous dis. Si vous ne voulez pas qu'il leur arrive malheur. Attends, regarde maléfique, s'il te plaît, Joachim. Génial. Ah, Ghost. Je sais pas c'est qui, mais... Salut, j'ai localisé une faille de sécurité. Tu peux l'utiliser, on sera quitte. Excuse-moi, mais t'es qui ? Sors du chat et passe un coup de fil. Appelle ce numéro. Ouais, on s'en branle. Tu veux qu'on remette la faille ? Ouais, ouais. 99005555. Ensuite, appuie sur le 1, puis le 3. Et saisis le code. Ok, attends, on va écrire sur un carton. Alors, Joachim, écris. Facecam de retour. Alors, tu écris avec le bout là, tu vois, hop, tac. Oui, mais alors, où t'écris 9900. Je peux écrire là-dessus. Oui, là-dessus. Sinon, j'ai apporté des clés. Pas grave. Vrai matériel. Non, mais les gars, on est en train de galérer sur une affaire.
Donc, 1, tiré. Si. La facecam. Ah bah tu as déjà mise. Ah bah elle est déjà mise, hein. C'est bien, on a écrit des codes, on a écrit tout ce qu'il fallait. Tu recevras... Donc là, tout simplement, on était obligé de faire du piratage jusqu'à avoir, je crois, 40 bitcoins. Donc les piratages, à chaque piratage, on gagnait 1 bitcoin. Donc il fallait terminer les piratages à 100% pour pouvoir ensuite accéder au compte et accéder à toutes les informations sur les kidnappeurs. Alors du coup, oui, c'est très long, mais au moins, on n'a toujours pas fini, mais la prochaine fois, on aura déjà fini et on pourra accéder aux prochaines informations. Alors, vous êtes un... On va faire un ciel. Bref, je vais vous laisser vers la fin parce que j'arrive plus à parler. Alors, en fait, c'est facile le piratage. Il suffit de jouer à Tetris. Ouais, ouais, je suis un nouveau pirate, moi. You are a pirate. Non, tu connais pas? Non. Alors, si on mettra un extrait de You Are a Pirate. Pirate is free, you are a pirate. Your heart fitted indeed. Being a pirate is a right to be. Do what you want, cause a pirate is free. You are. C'est pas les items? Ah, si. Oui. We are number one paper. Voilà, on a terminé le premier let's play, enfin, premier épisode, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, on a discuté avec des gens qui ont raconté leur vie, on a vu même pas 3 secondes l'intérêt principal, c'est-à-dire les personnes qui sont kidnappées, d'ailleurs, une magnifique photo, juste ici, qu'on va mettre ici, hein, de, si tu y arrives, j'y arriverai, on va mettre une photo ici, bam, de... tout simplement d'un personne qui a été kidnappée, donc c'est la fille de celui qui est kidnappé qui s'appelle Erwin, je crois, c'est ça. Donc voilà, Erwin et sa fille ont été kidnappés. Erwin Rommel. Erwin. Donc bref, ça personnellement. Bon, la caméra a été coupée, mais on retourne vers l'outro final. C'est parti. Enfin bref, les potos, on vous souhaite la bonne journée ou la bonne soirée. Nous, on a une belle journée. Normalement, il devait y avoir des vaches derrière, mais on en a pas une. C'était inspecteur Bernard, c'était... Inspecteur bébé. Inspecteur bébé et inspecteur Jana pour vous servir. Salut les potos. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et... Non mais la flèche elle est là-haut. Là, il faut... Là tu vas pointer sur le... Oui, le monteur là, toi je te parle, mais en fait c'est moi qui fais le montage. Tu vas, paf, comme ça, abonner, liker, commenter. Et là on peut peut-être mettre un petit partager. Et ici, bam. Juste, oh, oui, mais ici on va mettre une magnifique tête de Joachim. Allez, salut les potos.